Et salut à tous, on se retrouve sur un nouvel épisode de Mind Test for Fun, les amis. J'espère que vous allez bien. On se retrouve après ce magnifique timelapse où j'ai essayé des nouvelles choses un peu niveau montage, hein. Et on a construit cette petite maisonnette qui en fait correspondra au shop. Le shop, ce sera quoi? Ce sera un immense magasin où on pourra acheter et vendre tout ce qu'on veut. Pour l'instant, c'est complètement vide, à part deux, trois items qui traînent, hein. Tac. Je sais pas qui s'amuse à laisser des diamants comme ça, ma foi. Je pense que je vais les mettre en sécurité dans mon truc, de même que les outils qui sont là. Et je crois que c'est Farfadet 46 qui nous avait laissé tout ça. Donc, cher ami, je te les rendrai. Allez, on prend ça. Les autres trucs, c'est pas. Je pense que c'est pas très grave, c'est pas très cher. Ouais, ça aussi. Je vais les mettre là-dedans. Est-ce que j'arrive? Ouh, ça va être compliqué. Ok, donc il y a 22 diams. Voilà, comme ça, vous voyez, je les mets dans mon truc et c'est très le boxon. Mais au moins, on est honnête. Là, et puis, il y a encore les lampes. Voilà. Et puis, je te les rendrai en temps voulu. Donc, ici, nous aurons des magasins à tous les étages où vous pourrez acheter et vendre vos items à bon prix, n'est-ce pas? Alors au début les tarifs seront extrêmement bas, mais avec le temps le système va faire grimper les prix, donc c'est tout bénef pour tout le monde. Voilà, donc ce petit magasin qui se trouve, en fait on est derrière le spawn. C'est du côté où je ne vais presque jamais, hein. Soyons honnêtes, il y a la maison de Crabman juste là, mais en fait c'est tout près parce qu'on a le petit tunnel qui est là. Et puis ben, vous voyez la tour du spawn juste derrière, hein. Voilà, donc c'est vraiment pas sorcier à retrouver comme endroit. Et puis ben, à la fois ça nécessitera encore un petit peu de travail pour sa mise en place, mais rien de bien méchant. Voilà, autre chose, l'arbre. Alors peut-être que vous avez suivi sur le live, ou peut-être pas, hein, sur l'ardif, parce que c'était quand même assez long. L'arbre a bien grandi. Comme vous voyez, on est encore super loin, on est à plus de 100 blocs, hein. Voilà, donc en tout cas par rapport au fond de l'arbre, là où on voit le moins bien, le plus éloigné. Donc on n'y est plus à 100 blocs, hein. Bref, normal, on s'en rapproche. Mais voilà, il a bien grandi, c'est plutôt chouette. Je trouve que ça donne vraiment super bien. Avec ces énormes racines qui poussent, qui vont dans le sol. Il y a un petit trampoline qui a été installé là par. Est-ce que c'était Crabman ou Farfadet? Je ne sais plus. C'est l'un des deux. Enfin bon. Mais voilà, hein, donc on a vraiment une vue sympa. Si je prends un tout petit peu. Si je vais un tout petit peu à l'extérieur comme ça. Vous voyez, on commence déjà à avoir des branches quand même qui prennent de la taille. Donc ça, c'est assez chouette. Et pendant le live, nous avons. Je me suis rendu compte qu'il y avait tout ça qui avait été déjà fait par Farfadet. Merci à toi. Farfadet qui était après tout désolé. Oh là là, mais quelle horreur, mais j'ai saboté le live du Pangolin. Mais non, pas du tout, cher ami. Au contraire. Oh, on m'a enlevé mon totem. Il y avait un totem fait par Urasa juste là. Bon, bah tant pis, ma foi. Je l'avais mis là pour. Enfin, je l'avais laissé là pour. En souvenir, parce qu'elle avait dit ah, je pourrais pas être là. Enfin bon. Et puis finalement, bah effectivement, Urasa n'a pas pu être là pendant le live. Ma foi. Et du coup, ce qu'on a fait pendant le live, c'est qu'on a posé des branches. Et après, on est venu commencer à construire une route qui se trouve ici. Et la route a bien commencé. Et apparemment, elle a été prolongée par quelqu'un. Je suis pas sûr d'avoir été aussi loin, sincèrement. Enfin, ça m'arrive souvent en fait de découvrir que quelqu'un a fait les choses pour moi. Donc voilà. Et ici, la route revient jusque là chez. Je sais plus comment je dois le dire. J'ai planté pendant tout le live. J'ai planté. C'est Ezam ou Izam, je sais pas. Donc on va dire Ezam qui habite juste là. Et ça lui permettra d'être relié au monde civilisé, n'est-ce pas? Voilà. Et j'ai une fois de plus saboté ton pseudo. J'en ai bien conscience. Je suis désolé, cher ami. Et nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on va essayer de refaire un petit peu par là, quand même, hein. Vous voyez, il y a des choses qui sont honnêtement, c'est pas vraiment la beauté même, hein. Il y a cette espèce d'énorme zone bizarre, toute brune.
Donc je pense qu'on peut faire quelque chose d'un peu plus sympa, avec une vraie petite plage chouette. Et ça tombe bien puisqu'on a des tonnes et des tonnes de sable juste à côté. Alors, pour ça, on va aller chercher ça. Je sais pas du tout si ça existe encore en fait, sachant que c'est des coffres à libre disposition si quelqu'un en a besoin. Ouais, c'est toujours là. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que dans le magasin, chaque item vendu permettra de faire, fera baisser le prix de l'item en question. Donc, si vous vendez 10 000 unités de sable au magasin, ben après le prix du sable va chuter complètement. Donc vous pouvez pas vous enrichir comme des fous furieux. L'astuce, ça va être de vendre juste ce qu'il faut quand il faut, n'est-ce pas? Pas plus et pas moins. Alors, est-ce qu'on peut se donner un peu une ligne à suivre? Je pense qu'on va déjà, commencer par aller jusque là au bout. Ouais, alors là, le sable, là au fond, il... c'est genre, ouais, j'arrive dans l'eau, alors pouf, je descends à 45 degrés. Donc on va essayer d'agrandir un peu tout ça. Quoique après, le problème va se reporter plus loin, donc je sais pas si on... Oh, vous avez vu le joli petit lag des familles. D'ailleurs, ce qui me fait penser qu'il y a un Crabman a trouvé un fixe qui va me permettre enfin de ne plus avoir de lag lié aux usines. Puisqu'en fait, les Blinky Plants, donc qui donnent un signal régulier, qui sont utiles pour à peu près toutes les usines, pourront être désactivées sur. Elles pourront être. Elles seront désactivées désormais s'il n'y a pas de joueurs à proximité. Parce qu'actuellement, elles étaient activées tout le temps. Ce qui n'était pas terrible, on va dire. Alors. Ouais, bien sûr. Voilà. On va essayer de recouvrir un peu tous ces trucs bruns, moches. Par contre, je me demande si je pourrais pas faire du sable mouillé, entre guillemets, avec le Desert Sand. Faut voir ce que ça donne. J'avoue que je prends l'épisode un peu comme ça en vitesse. J'ai eu énormément de. On a mis énormément de temps hein, pour le timelapse que vous avez vu juste avant. Je dirais. Ouais, on a fait 3 heures. 50 minutes à peu près hein, de build pour le pour ce bâtiment, donc c'est juste énorme. Donc du coup, ben c'est vrai qu'après le temps de l'épisode malheureusement est un petit peu raccourci. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Et de toute façon, c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Ok. Alors, est-ce que ça donne mieux comme ça? Ouais, il y a un côté sympa. Il y a un côté sympa avec ce sable qui a l'air mouillé. Par contre, ça honnêtement, je trouve ça dégueu. Donc on va refaire un peu la bordure, n'est-ce pas? De cette petite plage pour la rendre un peu plus chouette. Là. Enfin, bref, vous avez vu le genre, hein? Je vais pas vous apprendre grand-chose sur cet épisode. Ah! Oui, j'y pense, du coup. Il y a eu un premier tuto la semaine passée sur le mode Area. Et bien cette fois-ci, nous allons partir sur le mode Home. Ou plus précisément le mode H2 Home. Voilà. Si ça vous intéresse, cette vidéo H2 Home va sortir juste avant l'épisode. Le but étant que vous puissiez vous ayez la notification sur l'épisode et pas sur H2 Home. Mais je verrai comment faire sur le futur parce que je suis pas. Ouais, je suis pas entièrement satisfait dans le sens où j'ai l'impression que les gens suivent encore, même regarder le tuto sur le mode Area sans regarder l'épisode parce qu'ils se sont pas rendu compte qu'il y avait l'épisode qu'elle est avec. Donc voilà, concept à revoir légèrement sur les horaires. Mais je trouve que en même temps, faire sortir l'épisode et le mode en même temps, le petit tuto, c'est assez sympa. Ça mérite réflexion, n'est-ce pas? Si vous avez des idées, en tout cas, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Hein. Comme d'habitude, c'est toujours bon à prendre un petit commentaire. Ah, j'ai déjà plus de sable. Tristitude! Enfin bon, je vais poser mes petits blocs de sable tranquillement. Et puis, on va se retrouver juste après. Et ok les amis, on se retrouve juste à l'usine à bois parce que j'ai prévu un truc, mais pour ça je vais avoir besoin de feuilles. Merci. Vous allez venir jusque là.
Voilà. Et ce qu'on va faire avec nos feuilles, c'est qu'on va les mettre à sécher. Alors, on met 50 de ce côté, 50 de ce côté. De toute façon, il ne m'en faut pas autant, hein, mais c'est juste pour être sûr d'avoir ce qu'il me faut. Ok, et en attendant, on peut aller jeter un œil par ici. Et vous voyez que ça a déjà bien changé, hein. C'est pas fini fini, mais c'est assez cool, je trouve, parce que ça donne un côté vraiment. Il y a la mer qui est passée par là, et puis pouf, elle a envoyé des petites vagues. Par contre, ça, c'est pas très cohérent. Et puis, bah, ça tombe bien, hein, parce qu'il y a quand même les vacances qui arrivent. Et justement, puisque les vacances arrivent, on va pouvoir se proposer un peu de farniente. Donc, ce que nous allons faire, n'est-ce pas? Si toi tu veux bien. Bon, allez, dégage. Tac. Comment se fait-il? C'est bizarre, je voulais faire des fences. J'étais sûr qu'avec 6 trucs comme ça marchait. Des classiques, hein, pas besoin de se casser la tête. C'est Jungle Wood, Fence Gate, Wooden Fence. Ah, ok, maintenant c'est. C'est avec des planches. J'étais sûr que c'était 6 sticks comme ça, donc. Je sais pas, il y a peut-être un truc avec ça? Ah ouais, il y a un truc avec ça. Bon. Eh ben c'est pas grave, écoutez, on va juste enlever. Se faire des planches. Un pec. J'ai déjà oublié, c'est comme ça? Non, il faut doubler. Ok. Comme ça? Yes. Voilà. On s'en donne assez. On va remettre 10 là. Hop. Ok, on a 12 fences. Alors, nous allons faire ceci. On monte de 3, ça paraît pas trop mal. Ensuite, j'aimerais s'il vous plaît. Arf, je n'ai pas pris. Je n'ai pas pris de laine. J'étais sûr que j'en avais pris pourtant, c'est bizarre. Évidemment, j'en ai que à l'usine. Évidemment, ça marche. Yes. Voilà. En plus, c'est tout ce qui me restait. Voilà, ça ira plus vite comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire des petits parasols bien sympas pour les vacances. Et puis, bah, mettre les petites nattes qui vont bien avec en dessous, hein. Tout ça, vous voyez. Du coup, j'y retourne et puis, ben, quand j'y suis, on se retrouve. Ok, on se retrouve. Donc, j'ai été poser mon petit truc qui traînait, hein. Qu'est-ce que j'ai déposé? J'ai repris les, pardon, j'ai repris les feuilles qui traînaient dans le four. Ont été séchés, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça, je dis au revoir. J'ai tellement de trucs qui traînent et qui servent à rien. Ça sert à rien. Ok, alors, du coup, nos feuilles, normalement, si on les met par 4, voilà, c'est bien ça. On obtient du straw, c'est des tas de paille en fait. Tas de foin, je sais plus comment. Je sais pas, c'est foin ou paille. Allez, zou. On vire. On en a 46, il y en a plus qu'assez. Et là, est-ce que ce serait juste deux? C'est bizarre. J'ai vu juste avant comment faire et pouf, c'est reparti en vacances. Ah, c'est pour ça. Ok. D'accord. Alors, on se donne un peu de wheat, n'est-ce pas? C'est pratique quand même, hein. Vous faites du blé avec des feuilles mortes. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve qu'il y a comme une louche dans la soupe. Bon allez, ça on vire, de toute façon on a une usine à bois qui tourne à plein régime. Faut bien qu'elle serve à quelque chose. Par contre là j'aimerais un peu plus s'il vous plaît. Voilà, et normalement je pense que ça sera juste idéal. Oh oui. Ah oh ouais, ça donne bien, c'est cool. Ça donne super, hein. On a. C'est vraiment ce genre de truc qu'on a, les gens prennent sur la plage. Hein. Ça s'appelle des rabanes, je crois. En tout cas, c'est comme ça que j'appelle, faut qu'on appelle ça chez nous, en Suisse. Tac. Alors maintenant, j'allais dire limite ce blé me sert à rien tellement il était facile à produire. Les panneaux, au revoir. Ça, on va les colorer. Yes. Maintenant, j'en veux. Je vais en mettre un là en haut. Tac. Et ces deux petits camarades, ils vont venir comme ça, en mode blue carpet.
Je pense qu'on est un peu haut en fait, hein. Pardon, il m'en a fait que 4. Oh mon Dieu, il m'en a fait que 4. J'étais sûr qu'il y en avait 8. Alors pour l'instant, je peux peut-être compléter avec ça, mais ce sera que temporaire. Ça peut donner une idée de ce qu'on aura comme comme truc à l'arrivée, hein. Tac. Et même ça donne pas si mal en fait. Ça donne pas si mal. Regardons de loin. Ouais, alors c'est chouette, faut juste redescendre d'un. On va juste tout redescendre d'un cran. Oui, pourquoi est-ce qu'il me faut 12 ans pour un bout de carpette et puis une. Par contre, le tatami, plouf, c'est loin. En fait, il faut plus de temps pour casser un bout de blue carpet qu'un bout de laine. Ok. Bon, si tu veux, hein, système. Si tu veux. Qu'est-ce que je vais jeter? Pour l'instant, je balance ça. Je la ramasserai après. Voilà. Ok, alors cette fois, ce sera bon. À une hauteur raisonnable. Je vais essayer un truc. Je vais essayer de mettre les tatamis sur les côtés. Alors c'est vrai que pour l'instant, je suis un peu embêté parce que j'ai pas assez de laine en fait. J'ai fait pousser du coton là où je fais pousser normalement mon. On va essayer comme ça. Là où je fais pousser normalement mes histoires de trucs. Oh, ça y est, j'ai oublié le nom. Je fais pousser mon maïs normalement dans l'usine publique. Ça, c'est plus sympa en fait. Ouais, bah ça donne pas trop mal, je trouve. Je regarderai si je peux faire un demi-bloc de laine. Je pense pas, mais on peut jeter un œil, hein. Après tout. Non, apparemment, il n'y a pas de. Il n'y a pas tellement d'alternatives, donc non. Il n'y a pas de demi-bloc. Dommage. Mais écoutez, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Donc ouais, c'est bien. Bienvenue en vacances. Alors, on n'y est pas encore tout à fait, hein. Normalement, il y a encore des examens, des trucs comme ça. Mais enfin, il faut bien les préparer, on va dire. Voilà, alors je vais déjà mettre 2-3. 2-3 trucs comme ça. On pourra mettre aussi 2-3 linges, alias serviettes de bain pour les Français. Oui, nous on appelle ça des linges en Suisse. Solution du pauvre. Non, c'est genre, allez, je me couche le long de la dune. Pouf! Voilà. Ok, et je me couche le long de la lune de nuit. Ok les amis, alors du coup, épisode un peu plus court que d'habitude. Mais enfin voilà, on commence une petite plage bien sympathique pour l'été. Je pense la prochaine fois je vous ferai un timelapse avec l'avancée de l'arbre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du timelapse. C'est vrai que j'ai fait des effets de vidéo, j'ai mis des effets de déformation des machins que j'ai jamais fait avant. Je sais pas ce que ça rend, enfin, de votre point de vue. Moi je trouve que c'est super intéressant, ça permet d'évoluer un peu. Et de donner presque l'illusion que la caméra se déplace alors qu'elle est parfaitement fixe parce qu'on n'a pas de mode où on peut se déplacer malheureusement. Mais voilà, je pense que c'est plutôt dans la une évolution dans le bon sens. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un petit pouce de votre couleur préférée, que ce soit le rouge ou le bleu, ou l'inverse. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde!